Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a une nouvelle semaine, il y a une nouvelle édition Rendez-vous. Aujourd'hui, c'est lundi 11 novembre 2024, c'est Veterans Day. Ici, aux États-Unis, joue ancien combattant. Moi, c'est Jacques Lebelizer, qui est un grand point, qui a dominé l'actualité. En Haïti, Conseil présidentiel transition, qui gagne en tête li Leslie Voltaire, révoqué Premier ministre Gary Conny et nommé Alix Didier Fizeme pour remplacer. Ici aux États-Unis, président Joe Biden marque dernier Veterans Day, dernier jour ancien combattant li, comme président dans le cimetière national dans Arlington. Et puis dans Californie, partisan président élu Donald Trump fait grosse célébration pendant que gain non personnalité qui prend le gouvernement qui commence à prendre la route. Monsieur dames, bonsoir une autre fois encore. Nous parlons d'abord dans Port-au-Prince, dans primature là, avec l'installation nouveau Premier ministre Alix Didier Fizeme qui remplace Gary Conny pour les priorités, c'est insécurité. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à s'immer tristesse à terre dans la population. Une population qui est victime deux fois. Ça mourit en bas criminel. Ça blessé. Femme, jeune fille, qui est violée depuis qu'il y a vie, depuis qu'il y a vie. Donc c'était Alix Didier Fizeme, nouveau Premier ministre qui remplaçait Gary Conny. Donc Conseil présidentiel transition révoqué, Premier ministre Gary Conny est choisi, tant qu'on nous dit déjà Alix Didier Fizeme. Depuis Port-au-Prince, correspondant nous Yves Manuel pral ba nous détails qui arrivent jodi dans l'installation. Docteur Gary Conny, pas Premier ministre encore, décision ça prend à travers une résolution qui est signée par Conseil présidentiel transition. Révocation ça fait suite à opposition à changement dans le cabinet ministériel, là, notamment dans des ministères clés, tant que ministère intérieur, ministère de la justice, ministère affaires étrangères et ministère finances. Face à l'opposition, le Conseil présidentiel a publié un arrêté qui nommait un nouveau Premier ministre, homme d'affaires Alix Didier Fizeme. Monsieur Fizeme, qui était trouvé dans le pays étranger, déjà rentré dans le pays d'Haïti pour capable de prendre investiture pendant la journée lundi. Information rapportée, il y a divers agents dans la police nationale d'Haïti avec FADH là, qui déjà disponible pour la sécurité. Sur 9 membres du Conseil présidentiel transition, seuls 8 signés résolution qui révoquait Gary Conny. Document ça a publié dans le journal officiel Le Moniteur. Avant ça, le Premier ministre a tenté d'empêcher la publication du document pendant l'écrit à directeur presse nationale Ronald Saint-Jean. Dans une lettre tout l'ouvrir, il écrit à la population haïtienne. Docteur Gary Conny dénonce révocation ça, les considérer comme illégal et qui pas chita sous rien. Premier ministre sortant, lui également rappelé, selon accord 3 avril, seul secteur politique et sociaux qui capable de guider la transition. Et lui était disponible pour collaborer avec le secteur SAO pour stabilité pays d'Haïti. Gary Conny passé environ 5 mois dans la tête primature. Li pa gen tan attaqué grand chantier transition parmi yo organisation élection. Nomination Alix Didier Fizeme vini dans un contexte côté paysan a fait face avec un pile difficulté. Leader politique yo exprimé doute yo par rapport à capacité monsieur Fizeme pour mener pays à bon port, notamment organiser élection crédible dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Nouveau développement politique ça a provoqué une tension dans le pays, spécialement dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Une correspondance a dit nous plus. Dans Port-au-Prince, porte l'école,
banque commerciale, institution privée, tant que public, rete fermé pendant toute journée lundi 11 novembre 2024 là. Après Neg Axam, qui fait partie coalition Vive Ensemble dans plusieurs audios qui viral sur réseaux sociaux, t'es menacé pour s'y mettre la trouble dans la région et zone qui entoure lio. C'est comme ça, moun t'es capable de un pile coup de balle qui t'a tiré depuis bien bonnet matin, en bas la ville, Delma, Tabac pour citer zone si là yo. Dans la commune Pétionville, nouvelle yo fait qu'on est, à sa yon mette diffé dans plusieurs cailles, plus précisément, Vivive Michel, bien bonnet matin. Cependant, yon avion compagnie Spirit qui t'a sorti dans le pays États-Unis recevoir plusieurs coups de balle pendant qu'il t'a pas atterri dans l'aéroport ou Saint-Louverti. Ça qui forçait compagnie aérienne et plusieurs lots encore prend décision pour suspendre vol sur Haïti. Toutefois, nouvelle yon fait qu'on est, Guillaume Hôtesse qui sorti blessé dans l'attaque si là. Sur l'aéroport, nous t'es capable de la fumée d'ife qui t'a monté bien haut. Citoyens qui peuvent pas parler dans le micro avec devant caméra nous disent que c'est quand ils ont dit qu'ils ont boulé dans la zone Badelma. Faut que nous disons, vent panique si là, a développé dans le pays, après conseil présidentiel transition, CPTA, décidé de révoquer premier ministre Gary Conny pour remplacer l'ancien candidat pour poste sénateur Alix Didier. Selon constat, soldats force l'armée pays FADH te déployé GFOY dans périmètre Chan Masla pour contrecarrer action gang yo dans zone là. VOA Creole, Port-au-Prince. Faut dire que gen réaction département qui sorti notamment réaction négative bon côté certains leaders politiques parmi eux Maître Wilson Joseph après nomination Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau premier ministre qui vient remplacer docteur Gary Conny. Yon reportage Renat Toussaint depuis Oui, je fais quoi? Dossier qui gagne rapport à résolution conseil présidentiel transition qui choisit Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre haïtien en remplacement docteur Gary Conny dans tête primature soulevé réaction négative bon côté certains dirigeants structures politiques parmi eux Maître Wilson Joseph qui c'est président coalition regroupement politique pour avancement démocratie parti émergent ak allié Koripa qui dit yo pas appuyé démarche ça yo continue bien na yoré yo jodi a yo mette Didier comme premier ministre nous toujours pas accepté parce que nous trouvé ça manquer élégance et nous toujours dire encore si nous n'avons fait une erreur en premier temps la continuer faire erreur pour jusqu'à ce que yo même implosion en fait dans mitan yo Maître Wilson Joseph fait quelques recommandations pour résoudre crise politique là. Nous besoin d'un gouvernement de sauvetage national. Nous te dit nous besoin d'un seul président, nous pas besoin 9 présidents. Ancien premier ministre Evans Paul, bon côté parle, encourager acteurs yo mettez intérêt peuple haïtien devant pour sauver pays d'Haïti. Moi même pas à l'aise du tout, moi pas problème avec personne qui dans CPTA. Moi pas combattre tout. Mais bah ça va bon. Nous pas capable nous faire de CPT 9 membres, nous pas capable tout gros premier ministre cap gouma CPT tout. C'est faire pays à marcher selon les normes et priorité nous, objectif nous, responsabilité nous, c'est répondre à revendication peuple haïtien. Pendant ce temps, en pile rencontre a déroulé dans Port-au-Prince entre représentants différentes structures politiques sous base d'un compromis national durable. Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Révocation pour Miss Gary Conina représente yon développement dans la crise haïtienne. Donc restez branché. Len Toune, nous pral gagner pour nous grand point cap dominer actualité haïtienne aux États-Unis, surtout avec jou ancien combattant. Merci d'être toujours branché VOA Creole. Actualité concernant les États-Unis, républicains dans Californie célébrer victoire Donald Trump dans l'élection présidentielle 5 novembre. Jean-Robert Philippe dit nous, célébration ça a déroulé dans le moment président élu a commencé à choisir membre administration. What a relief it was off my chest because without that there's no other place to go. Supporter président élu Donald Trump célébré dans Californie malgré rival démocrate Lia vice-président Kamala Harris remporté victoire dans l'état ça. Célébration ça a déroulé après gouverneur démocrate état mandé une session législative spéciale pour protéger politique progressive contre présidence Donald Trump.
Jerry Piani, un marine américain retraité, bail presque toute salle possédée pour tes noms Donald Trump. Piani a milité pour candidat républicain depuis 8 dernières années. What a relief it was off my chest. Jerry Piani déclaré là, moi senti me soulagé, pas de aucun autre côté pour aller. C'est base non, États-Unis c'est seul côté nous capable vivre. Qui côté nous capable aller pour jouer une liberté nous gagner ici là. Nous gagnons une constitution. Victoire, ça, très important pour nous. Supporter Trumpio dans Los Angeles, Californie, célébrer victoire candidat républicain week-end passé à Nampa Griffith là, dans Hollywood Boulevard. Rebecca avec Roland Cassie célébré dans la joie avec tristesse après avoir été perdu neveu avec cousin yo à cause d'une overdose fentanyl. Killing a lot of blacks. Drogue fentanyl là a tué un pile noir, pas seulement yo même, mais famille tout. Ça fait 3 membres famille qui mourit, que moi remet en pile. Je dis à yo pas là encore à cause drogue ça qui sorti la Chine, passé Mexique pour arriver aux États-Unis. Gouverneur californien Gavin Newsom mandé parlement état pour augmenter un fonds légal pour défendre Californie contre attaque possible la Maison Blanche sous droit avortement, régularisation machine électrique, politique sur immigration et assistance pour désastre fédéral. Michel qui parle de l'Ebaïsien Antilly, quoi plus monde qui vit dans Californie, capable de choisir pour venir même parti républicain dans le prochain processus électoral là. Dans l'élection présidentielle 2021, 63,5% résidents en Californie ont voté pour candidat parti démocrate là Joe Biden. En 2024, candidat parti démocrate là Kamala Harris ramassait 58,2% voix électeurs état comparé à 38,9% pour candidat parti républicain Donald Trump. George H.W. Bush, c'était le dernier candidat républicain qui a remporté Californie dans l'année 1988. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, il y a un pile non capacité pour formation équipe gouvernementale. Là, président élu à Donald Trump, par exemple, il y a un député républicain Elise Stefanik, comme ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies. D'après Reuters, président élu a rencontré gros investisseur Scott Bissett, qui semblait prêt à jouer le secrétaire Trésor. Et puis, il y a Stephen Miller, qui a retourné dans la Maison Blanche. Semblait Tom Homan, dans la question immigration, qui a une réputation pour positionne vis-à-vis question frontalière. Monsieur Trump signalait que lui-même lui pas pris les anciens adversaires dans premier Nikki Haley et ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Jodi a tant qu'on te dit déjà c'est Veterans Day, jour ancien combattant et la Maison Blanche marqué journée ça d'une façon spéciale. Valérie Saint-Louis. Président Joe Biden et vice-président Kamala Harris te paraît ensemble pour première fois depuis qu'il a été perdu élection présidentielle là face à républicain Donald Trump. Président Biden et vice-président Harris ont participé dans la cérémonie Journée Vétéran qui célèbre chaque année dans le cimetière national Arlington, jeudi lundi 11 novembre. Ça. Present! Ils ont déposé un couronne jeb fleur dans le caveau soldat inconnu. Président Biden te prend la parole parmi plusieurs autres officiels qui tapent bay discours dans l'amphithéâtre cimetière national Arlington. C'était en même temps première apparition publique vice-président Harris depuis mercredi passé à l'elte bay un discours dans l'école côté que le fait étudier qui c'est Howard University côté que dans discours ça il était concédé il était dit d'accord que il était perdu élection face à Donald Trump. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et dans le jour de ça, nous toujours quitté une place spéciale pour les gens qui ont porté uniforme ça. Que ces femmes, que ces garçons, nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior. Rico Bolivar fait et grandit en Haïti.
Dans l'année 90, l'Ital étudié Colombie avant l'été immigré États-Unis. Dans l'année 2002, yon l'année après attaque en septembre sous États-Unis, l'Ité rentré dans l'armée américaine. C'était rêve li pour l'Ité yon soldat. L'Ité dans la guerre Iran avec la guerre Afghanistan pour Américain yo. Rico a partagé expérience ça avec VOA Creole. Expérience était vraiment difficile pour moi. Mais étant donné que nous avons pile en training, nous avons dit ça entraînement militaire, bon, ça, les mêmes, en dépit de toutes les difficultés qui étaient passées, nous avons tous amis, soldats, femmes qui mourent, bon, nous prenons ça comme c'est risque du travail, nous prenons ça avec un pile maturité, et puis ça nous a dit ça. Expérience. Rico Bolivar, c'est un nutritionniste, un chef cuisine. Li recevoir en pile distinction dans l'armée américaine. Mais gen youn qui vraiment est spécial pour lui. L'a dit nous pour qui ça? Ouais, cordon ça que me gen là. Ton cordon très spécial. C'est pas tout le monde dans l'armée gen. Et même des généraux, on nous dit des généraux dans l'armée américaine pas gen. Qui cordon que lui, son cordon de et arme spéciale que m'tal tiré dans la compétition pour dans bidet que m'était avec des Allemands d'aller tirer de représenter américain so cordon ça m'était sorti une top soldat pour l'armée américaine. 11 novembre c'est jour yo honoré vétéran qui servit dans force l'armée américain yo. Dans l'occasion ça, Bolivar a expliqué nous ça joue ça veut dire pour lui en tant que vétéran. De pour gagner une uniforme dans sous fierté que moi gagne avec tout l'autre vétéran, je dis à mettre chapeau bas devant eux. C'est fierté ça que pays a ba pour reconnaître pour honorer. Tout ça a son jour de gloire, un jour de reconnaissance, un jour de honorer soldats et pour tout sacrifice que nous fait. Rico Bolivar, yon vétéran, prend jou ça pour le saluer tout vétéran pareil yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et nous apprêté toujours dans esprit journée ça et nous allons rejoindre Yumi Jant depuis n'a parlé de Atlanta. 11 novembre c'est jour dédié à tout vétéran qui passait dans l'armée américaine. VOA Creole t'a parlé à Chris Lee Princeton qui c'est un Navy vétéran qui pour Kounia a servi comme pasteur aumônier dans Atlanta. Moi c'est un pasteur mais Kounia mais avant ça moi c'est un vétéran, moi servi dans Navy. En pile haïtien confuse branche, yo pense que Navy c'est l'armée mais gagne 4 branches, gagne Army, Navy, Marines and the Coast Guard. Chris Lee t'a expliqué pour VOA Creole qui rôle chaque branche yo joué et qui gens Navy yo participé dans la guerre. Toute branche participer dans la guerre. Mais nous participer de façon pas nous. The Air Force is in the air. Nous même nous sous de l'eau. Ça veut dire que nous gain partie intelligence qui suivre ça qui fait around. So nous même nous sous de l'eau. Army avec Marines yo à terre même. Mais nous même participe pas nous ça nous fait c'est sous de l'eau nous suivre bagaille parce que c'est Navy hein? F-14 Tomcat c'est jet pas nous qui la gue bombe yo. Moi passé Kosovo, na guerre Kosovo hein, moi c'est un OEF OIF veteran qui c'est Operation Iraqi and Enduring Freedom. So qui combat contre terroristes. D'après madame Chris Lee, transition sorti dans l'armée pour vivre vivion vie normale, c'est pas un bagage qui facile. Ça cause en pile vétéran tué tête yo, surtout mesdames qui subi abus sexuels. Moi j'ai un ami qui pas mouri dans guerre mais yo mouri quand yo tourné qui tué tête yo. So son vie difficile lié puis pour transition là où t'es habitué fait tel bail, j'ont t'a demandé quand pour et puis qu'on y a ou bien chita là ou bien whatever, lui très difficile pour un pile vétéran, surtout mesdames qui étaient military sexual, qui étaient passé military sexual trauma, là yo tourné lui très très difficile pour yo adjust, so 22 vétérans par jour tu étais yo.
après le fin travail pour gouvernement fédéral là dans aider soldats qui sont dans la guerre pour être capable joindre aide, madame Chrisley a fait travail volontaire dans aider civil dans communauté. Moi pas dans veteran organization, non, même moi aider civil qu'on y a parce que civil yo ça qui besoin food stamp, ça qui besoin Medicaid, ça qui besoin manger, moi travaille avec ensemble avec Gateway qui which is a defects. So I help, that's what I do now. Yomi Janit pour VOA Creole Atlanta. Merci pour fidélité nous pour rendez-vous n'ap tounen dans un petit moment. Prince Forcé yon famille à chercher protection dans le nord pays d'Haïti. Gérard Maxino gen témoignage chef famille qui c'est un chauffeur. C'est à cause violence gang yo Dorival Joseph Lionel yon chauffeur tap tap obligé quitter sous mat dans commune Cabaret ensemble avec toute famille pour venir réfugier dans Wanamet côté la via pas fin trop douce pour lui. Dorival explique situation est compliquée en pile dans ce smart. Dorival dit li pa ka vre petit li l'école parce que li pa gen moyen. Si mon yo de continuer aller l'école mais moment m pa capable pou venir camper. Mwen gen ou même qui a fait filo NS4 pour $800 pou pa batish. Li pa compose de obligé pou faire diane. Mwen ya la mouri a recommencé et m pa gen moyen. Chauffeur tap tap Dorival fait konnen avant nèg ak zam yo te pran zone côté l te rete an. Li te gen moyen pour te occuper tête li ak famille sans problème. Avant te prendre zone moyen, m'a pas de problème, même avant te prendre zone moyen, m'te gen 3 camionnettes m'a fonctionné et puis m'fait cardinal bête, m'te gen 36 cabrin, 16 cochons et puis m'te à peine touchon $92,000 seul madame m'a mette dans boutique et puis m'gen 15 blous, m'ta vendre l'eau par gallon et bah yo pas de mal pour moi même. Et actuellement là m'gen 57 ans, m'fait 8 et 67. Chauffeur tap tap sa expliqué l'obligé la gécole nan fait trafic ak machine qui pas en bon état obligé a demander si pour tout le monde. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Responsable ministère commerce et industrie dans Grand Anse présenté by la presse en présence délégué départemental yo et ben yon lo marchandise expiré que yo saisi dans plusieurs business. Mackinson Charles. Direction départementale ministère commerce et industrie dans Grand Anse dans cadre d'une opération lancée pour protéger consommateurs yo présenté by la presse en présence délégué départemental Grand Anse pour les Mont Michel yon lo marchandise périmé yo déjà saisi dans cadre opération ça. Marie Rose Lorobou, qui est directrice départementale ministère, dit opération ça pral continuer. N'a dit population faut qu'il rete vigilant. À chaque fois la lâche ton produit, faut regarder date là et faut regarder en dedans. Nous lancer opération ça pour nous capable récupérer tout produit avarié qui dans dépôt, qui dans market, qui dans pharmacie, qui dans magasin. Dans même sens là, délégué départemental Grand Anse pour les Mont Michel,
profite pour le féliciter responsable dans la direction départementale ministère commerce grandance. Je suis content d'avoir fait une initiative là. Ça nous a parlé avant la l'exécuter, de commencer et nous espérons que la continue encore pour que au moins nous régulariser, nous résoudre le problème de santé communautaire. N'a fini pour me dire selon Marie-Rose Lorbou, plusieurs rencontres déjà faites entre autorités qui concernent yo pour capable river protéger consommateurs tout bon vrai qui a victime depuis quelque temps en bas main divers business en dans département. Parmi eux, responsable au niveau ministère de la justice dans département pour capable prendre sanction contre tout monde qui pas veut respecter la loi. Depuis Jérémy, moi c'est Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis qu'on y a nous pour aborder dernière ligne droite programme n'a pas déplacé. Et qu'on a nous pour considérer deux points cap dominé actualité internationale en Alouessa. Yo mise à jour dans Moyen-Orient et concernant guerre la Russie-Ukraine. We are ready to end the war in Gaza, but... D'abord dans la région Moyen-Orient, ministre Affaires étrangères israélien Gideon Saar dit journaliste dans Jérusalem, Israël paraît pour mettre fin dans la guerre dans Gaza à condition d'y atteindre tout objectif li. Il était tout profité rappeler objectif état hébreu dans Gaza et dans Liban, mais il précisait que gagne une différence dans objectif ça. Pendant ce temps dans Gaza, Palestinien yo a broté cadavre grand monde conti monde qui après une attaque armée israélienne dans un marché populaire dans Gaza. Dans Liban, Hezbollah a montré vidéo roquette Malak 1 dans direction Israël sans yo pas préciser est-ce que roquette ça fait dégâts en Israël. Et ministre de défense Israël en parlant de Israël 4 dit pas de cesser le feu avec Hezbollah dans Liban jusqu'à ce que le mouvement islamiste libanais rende tête totalement. The purpose of this visit is to stress European Union support to Ukraine. Et concernant guerre la Russie-Ukraine, le chef diplomatie européenne, Joseph Borrell, dit « Yon victoire la Russie en Ukraine a pion échec pour les États-Unis ». C'est une inquiétude, M. Borrell, exprimé par rapport à l'aide américaine pour Kiev sous administration président élu Donald Trump. Joseph Borrell, 72 ans, parlait comme ça dans la ville Kiev, dernière visite dans la région avant de quitter Posta en décembre prochain. Merci d'être côté branché. Eh bien, gros nouvelle là, c'est Alix Fizeme qui remplace Gary Conny comme premier ministre dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Et c'est fini. C'est fini pour ancien PM Gary Conny. Parce que jeudi, nous pas qu'à parler de Gary Conny comme premier ministre du pays d'Haïti encore. N'a pas parlé de ancien PM Gary Conny. Et n'a pas parlé de nouveau PM. Alix DJ Fizeme. Et Capeta a installé monsieur, journée lundi, qui c'est 11 novembre 2024 l'an. Et c'est monsieur qui pral ge commande gouvernement, ça qui censé pral avancer avec feuille de route, accord 3 avril 2024 l'an. Nous pral gade. Et qui ça qui vraiment à la base? Révocation Gary Conny. Côté 8 conseillers sous 9 signé résolution ça. On va regarder ça. Et qui est-ce qui va signer? Et qui raison que tu as la cause que conseiller pas signé? Ça fait le pas signé. On va regarder tout. Ça, c'est clair. Si c'est gain 9 conseillers, si gain 8 qui signé sous 9, il y a 3 conseillers qui nous ont cité. Dans le scandale corruption BNC1, il a signé tout, ok? On a parlé de Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire. On va analyser ça. Et en même temps, tout, il y a des partisans, de proches de Zélé Guy Philippe, qui déjà a demandé Guy Philippe avec opposition plurielle pour qu'il prenne. Pour yon pren responsabilité yo, nan sa ki gen la, pour se yon même qui prend comment pays. Yon. Vra regarder est-ce que nan moment, que opposition plurielle avec Guy Philippe, est-ce que yon capable prend comment pays? Yon? Est-ce que yon capable tout profiter de sa ki gen la comme situation, pour yon capable mener bak pays? Yon? Vra regarder ça. Est-ce que travail que Gary Conny te promette, dit la fin? Yon? Que li fait 4 mois qu'il pas fait l'an,
est-ce que Alix Didier Fizeme lui-même libéral qui veut faire pendant période que lui-même libéral gérer transition, est-ce que nous va joindre tout que la primature libéral tomber tout dans primature tournante même genre que KPTA qui s'en est une présidence tournante en notre li. Il dit nous va analyser ça yo et en même temps tout n'a dit que bandi criminel assassin vivant ensemble yo nèg yo gens qui ont annoncé ça journée qui était dimanche 10 novembre 2024 là barbecue la mort sans jour et Jeff Canaran nèg yo te fait vidéo nèg yo te fait audio pour te dire que moun qui pas besoin pas sorti journée lundi 11 novembre ça parce que vivre ensemble prend responsabilité parce que yo dit clairement quel que soit tes KPT, quel que soit tes gouvernement koni, il y a toutes ces mêmes bagailles là, ces volets cap joué volet, ces volets cap critiquer volet, ces volets cap voué volet aller, et ben yo même, yo pral prend responsabilité yo qui donc, yo t'es décidé, et ben puis yo ka mette pi yo a terre, n'a dit que n'a mette pi yo a terre journée lundi ça, qui c'est 11 novembre là, laissez me dire nous, gè plusieurs moun qui déjà mouri, gè plusieurs déjà blessés. Et situation très compliquée. L'école pas fonctionné, rien pas fonctionné dans la région métropolitaine Port-au-Prince. OK? Rien pas fonctionné. Et gen avion compagnie aérienne Spirit pendant que l'étape atterri dans vol sous tarmac aéroport international, tout c'est l'ouverture là, et ben li recevoir plusieurs balles en bas mes bandits armés vivant ensemble. Et avion Spirit ça il était obligé faire vol de faste pour obligé à faire un atterrissage forcé dans pays Saint-Domingue. Elle dit bagala très très compliqué moment on a parlé là. Et qui ça qu'on capable attendre et qui ça nous capable espérer deux situations qui est là. Nous prêt analyser ça yo, nous prêt regarder ça yo, amis internautes. OK, on nous garder. Avant tout le samedi nous et ça rive koni non lycée yon bataille Lavalas PHTK et PHTK mêlé avec Sanrele Duvalier Ristio son bataille Lavalas et puis PHTK pas oublier que en dedans capété yon gen des pote 5 conseillers si m'pa trompé mais 4 conseillers si m'pa trompé yo c'est Lavalas rouge même l'entendé yo sorti dans de l'os strictsi pour qui pour yo c'est Lavalas rouge qui est origine yo racine yo c'est Lavalas yo c'est Lavalas les Voltaire dit clair c'est même directeur parti famille Lavalas ça va gagner débat sur lui et c'est lui même actuellement qui gagne et gouverneur capété dans qui est ce président tout notre là. Si nous prenons le Gérald Gilles Lavalas, d'ailleurs, il était sénateur, Lavalas, c'est sous Lavalas, il était sénateur. Bien que, en dedans, à quoi 21 décembre, il représente, alors, en dedans, Capeta, vous me dites bien, il représentait à quoi 21 décembre, et pas oublié, parlant de à quoi 21 décembre, où est Ariel Henry, ou SDP, ou Fusion, ou ensemble des escriti qui te mette campé à quoi 21 décembre, qui te permet que Ariel Henry, que les mêmes étaient là pendant et 32 mois dans tes pays. L'opre Fritz Alphonse Jean, Lavalas, là, il était gouverneur sous Lavalas. Sous période Lavalas. L'opre Edgar Leblanc fils, origine, racine, c'est Lavalas. Le prend Emmanuel Bertillère de Petit Dessalines, de Jean-Charles Moïse, Lavalas. Kounia Oubralgade, Smith Augustin, qui lui-même découlé de plusieurs scripts politiques, red et des compromis historiques, et en dedans, trois scripts sayo, il mélange avec PHTK et Lavalasien. Aïe dire, l'organe Smith Augustin, les font pot pourri de tendance politique, de escritie politique en Haïti.
Bon, Laurent Saint-Cyr, lycée représentant secteur privé. Il va y débat sur ça. Alors, il va dire, il y a une branche dans secteur privé parce que secteur privé, il même beaucoup de pas, il divise tout. OK? Et Regina Abraham comme observatrice, Frinel Joseph comme observateur, mais c'est des gens qui découlent de PHTK ou bien de Lavalas. Koula, en nous gade. D'abord, son bataille Lavalas, PHTK mélangé avec Duvaliriste. Il est clair que c'est KPT a quitté nommé Gary Kony. D'ailleurs, à quoi 3 avril, là, Libye, on croit qu'on a dit que c'est ma trompe, ça 37-2, Libye fait qu'on est que KPT, hein, Libye pouvoir de nomination et Libye pouvoir de révocation Premier ministre. Nan. OK? Ça veut dire, est-ce que révocation, est-ce que KPT, hein, Libye pouvoir pour révoquer Gary Kony? Mais si n'a rete en dedans à 3 avril là, n'a dit oui, KPT a le pouvoir pour révoquer Gary Kony. Parce que il y a un article en dedans à 3 avril là qui dit clairement que KPT a capable de révoquer le Premier ministre s'il estime que pas gagné résultat en termes de gouvernance de travail Premier ministre avec gouvernement. Ça veut dire là, si n'a rete dans esprit à 3 avril là que KPT a les capacités de pouvoir pour révoquer Gary Kony, même je t'ai nommé là. Est-ce que vous comprenez? Mais Kounia, si n'a prêté tout, en dedans à 3 avril là, nous avons un article qui dit que, eh bien, avec question, soit de monde qui t'a impliqué dans des scandales de corruption, soit de monde qui a des situations difficiles par rapport avec KPTA, comme si mettez le niveau qui vraiment vraiment mal, eh bien, quel que soit le conseil que l'IA, il n'est pas doit faire partie du conseil. Là. Le cas de trois conseillers inculpés, trois conseillers qui accusés dans ce scandale corruption BNC, hein, qui c'est lui Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère et Smith Augustin. Qui donc trois messieurs Sayo, même à 3 avril, là, li bay pouvoir tout pour que trois messieurs Sayo yo pas fait partie KPT. Ça qui pas fait. Et je dis, les qu'un des trois conseillers Sayo, en pile secteur, en pile acteur, yo montre pas A plus B. Que trois conseils que nous cité dans ce scandale corruption BNC, ils ont une entrave pour avancement transition ça. Et ils ont même demandé pour révoquer, pour que les conseillers prennent une décision pour révoquer trois conseillers. OK? Puis ils prennent une décision pour révoquer trois conseillers ça yo. Ça veut dire jeudi, hein. Est-ce que KPT, hein, reste conseiller yo, yo prend décision, yo prend responsabilité yo pour révoquer trois conseillers yo? Non. Pendant ce temps, rappelé dans émission Gazette News sur Gazette Haïti avec Assad Volsi, Leslie Voltaire, l'été Campbell te dit, Namiko Assad Volsi. Eh bien, depuis que je ne dois conseiller ça, que vous avez trempé dans le scandale corruption qui est là, dans ça, vous reprochez, eh bien, reste conseiller à prendre des décisions, à prononcer sur le dossier ça. Jusqu'à un moment, on a parlé là, eh bien, reste conseiller qui se reste 6 conseillers, vous n'avez jamais dit rien sur 3 conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. BNC. Est-ce que ça dit que toi conseiller yo, yo accepté que nek yo, yo même implication dans scandale corruption et pas vrai et pas vérité et menti à bas yo ensemble de détails peut-être que je dis
Eh bien, reste 6 conseillers selon un peu le monde. Je prouve à clair que je sais même avec 3 conseillers qui ne ont cité dans le scandale corruption BNC. D'ailleurs, pas moi qui dis, c'est vous qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est divers secteurs, c'est divers acteurs qui ont même qui ouais que dans trois messieurs ça yo et reste conseiller yo yo mette yo ensemble pour que yo kembe roi et pour pas faire rien pour pas même exclu trois conseillers qui nous cité dans scandale corruption yo et je dis hein, qui ça pour moun yo comprendre je dis hein, qui ça pour moun yo garder problème capété hein li c'est un problème avec Gary Conny que le problème capété hein li c'était un problème avec Gary Conny et puis ministre que Gary Conny t'est nommé yo même il dit ministre qui était dans ministère régalien yo OK ministre qui était dans ministère régalien yo ministère justice économie et finance, affaires étrangères, culte, intérieur que Gary Conny lui-même qu'il t'a géré. Vous comprenez? Et laissez-moi dire ça. Je dis hein, les que communauté internationale là les que corps groupe que reléan les que caricom a gardé nous les d'évangile comme tout je pas prendre nous pour rien comme dirigeant comme autorité je pas prendre nous pour rien je prendre nous pour de rester avec je prendre nous pour des tuiles je prendre nous pour des sous-hommes je pas prendre nous pour des hommes d'État et des femmes d'État. Non. Parce que yo jugé, yo wè nan nous que c'est pas causé pays qui n'a réglé, mais c'est causé intérêt personnel moi, intérêt tikoulout moi, intérêt mesquin, mais pas que question intérêt pays n'a réglé vraiment. Je dis à la d'accord avec Gary Conny, t'as des problèmes pâles. Parce que KPT a trouvé que Gary Conny, monsieur qui a une arrogance la Kaili. Vous comprenez? N'est-ce pas estimé que Gary Conny est trop arrogant? N'est-ce pas estimé que Gary Conny, monsieur, a passé une farine? Parce que t'es prêt à que Gary Conny, quelqu'un international à elle. C'est pas oublié. Quel que soit dirigeant, leader politique haïtien, de vous dire au blanc, que vous sautez, de vous dire, ah, moun sa, c'est blanc, vous voulez le banou, et ok, pas problème, non, ok, nous d'accord. Parce que haïtien, hein, dirigeant nous yo, leader nous yo, yo souffri maladie qui est la blancomanie. La blancomanie. Ça veut dire que de vous dire blanc et puis tête chaud et bien l'air puisque on connaît Gary Conny monsieur fait 11 à 12 ans de yon pays hein elles sont des qui travaillent dans les Nations Unies sont des qui contact serré contact direct avec international là ça te montre que avec nèg yo mais ba pour Gary Conny parce que relation monsieur gagné déjà international là il va faciliter réussite transition il va faciliter yo gérer un ensemble de problèmes et pour permettre que vous organisez l'élection. Mais là, vous venez regarder, vous avez pendant 4 mois, Gary Conny qui l'a pour exécuter à 3 avril, vous avez Bali, vous avez que, et monsieur a déraillé, monsieur a quitté Raylan, monsieur voulait prendre, comme si, voulait pas prendre pour rien. Parce que
Gay koni te clairement mandé avec KPT dans forum et public que été fait dans Keskov. Monsieur te dit faut KPT a publié à 3 avril. Faut KPT a publié à 3 avril. Faut KPT a prononcé OK sous question 3 conseils que nous cité dans scandale corruption. Et ça il était dérangé nèg yo. Ah oui, parce que nèg yo estimé que Gary Conille pas c'est eux même qui mettait Gary Conille comme premier ministre et bien pour Gary Conille mandé yo pour c'est lui même qui a dit yo pour le publier à 3 avril là. Alors que nèg yo pas dans question monsieur dame en de conseil présidentiel là les samedi nous. Yo pas dans causé publié à 3 avril là. Moi-même, en gardant logique, en fait analyse ça. Moi qui a toujours compris que Gary Conille, il te fait un pile excès de langage. Moi qui a compris que Gary Conille, il te développé un langage avec trop arrogance là-dedans. C'est pas oublié. Ou maintenant dès que c'est 9 conseillers, c'est 9 bluffeurs, c'est 9 racketeurs, c'est 9 mauvaises affaires que en plus moun dans société a qualifié yo, mais yo fait office de la présidence. Et yo vinn sous tête tout comme premier ministre. Il dit ou pas gè pi gros pouvoir passé yo. Mais vous ne comprenez ça m'a dit. Il dit nous d'accord que 9 conseillers c'est 9 moun qui pas clair. C'est 9 moun qui pas comme si qui va porter rien de sérieux. C'est 9 moun qui a réglé les affaires personnelles yo. Pas de mal pays qui a réglé. Mais le fait que vous faites office de la présidence, eh bien, vous venez sous terre tout comme premier ministre. Lorsque vous intimez au Lord, lorsque vous passez au Lord, pour vous publier à 3 avril là, nèg yo trouvé c'est un dérespectant ou pas que doit mandé yo publier à 3 avril là parce que si yo t'a publié yo t'a publié déjà. Ouais ça me ça clair pour nous. Si monsieur dame à 3 avril yo alors capété hein. Si yo t'a publié à 3 avril là, yo t'a publié déjà d'ailleurs. Une fois que yo fin prêter serment, yo fin installer yo te dwe publié à 3 avril là. Yo va jamais bel. Ça veut dire un bon grand moun haïtien gè sa rele yo malice caché que nèg yo pa vle que pays an konnen en dedans à 3 avril là. Ba konn si d'accord avec même. Ba konn si d'accord avec même. A dit gon malice caché. Gè on baga que nèg yo serré, nèg yo caché. En dedans à 3 avril là et c'est ça que pour nèg yo mais au sous 8 mois là yo pas jamais publié à 3 avril là mais sauf que toujours tout rétablir sécurité publique organiser réforme et constitutionnelle organiser élection crédible honnête démocratique et rétablir état de droit remettre la justice debout et remettre institution financière nous debout mais gien de l'autre baga qui dit en d'accord 3 avril ou pas jamais connait ouais les révoquer Gary Conille yo seulement prend petite séquence qui en dedans à 3 avril là qui dit que conseil présidentiel là il gien pouvoir de nomination et il gien pouvoir de révocation et puis c'est fini mais tout accord la même en soi il pas publié ou pas contre ça quand dans vraiment détail et moi il pas publié et ou pas contre qui ça qui en dans vraiment en détail. Emlekin comprendre ça. Emlekin comprendre ça. Et si je dis que gagne tout doute ça qui existait et gagne tout en pile question
en pile question qui posait pour qui ça fait que nèg yo pas publié à 3 avril là, ben c'est que li clair et net, OK, li clair et net pour que en pile nan nous comprendre gè de malice caché en dedans à 3 avril là. Et gars ekoni mandé pour nèg te publié à 3 avril là. Là vous dites pas comme ça. Et bien en plus pas oublier humiliation que Leslie Voltaire t'a prend dans 79e assemblée générale Nations Unies côté que les monsieur t'a voulu aller président Lula, je t'ai dit pas gagne rendez-vous avec monsieur. Mais Leslie Voltaire t'a clairement dit que gain de tête qui pral couper. C'est clair. Ça t'est prévisible. C'est vrai, ça fait un pile tout dans la presse, mais ça t'est prévisible. Et négotiement des connies, faut qu'ils passent maintenant au gouvernement. Faut qu'ils changent d'essai de ministre dans le gouvernement. Et ministère égalien, dès qu'ils veulent que vous ayez le contrôle. Bon, gars, ils ont été capés en tout haut. Ils ont dit que c'est comme ça. Gaye koni te kapé en tout, il dit pas que bagay comme ça. Pas gè causer révocation et passer men nan ministre nan gouvernement. Parce que problème nan et pas de changer gouvernement non, c'est passer men et surtout c'est retirer ministre qui c'est ministre gaye koni yo et qui c'est ministre ka bay problème avec les KPT yo qui ou pas en contrôle ministère yo. OK? Mais je vais laisser me dire. L'aime dit que ça gagne la sobataire la valas PHTK mélangé avec Makoute, du valériste. Moi ça m'a dit. Moi on est un grand pile monde là qui c'est la valasien qui a dit ah blé c'est quoi contre là avec pas ça dit. Et ça l'est. Les Voltaire c'est la valas rouge. C'est un enfant parmi les parmi un si monde qui a réussi gagne yo. Qui donc? Et la Valas, c'est un parti qui rancunier. Et ce parti qui va. Regardez, yo, hein, cette histoire pour yo pense pour être là, pour nous dominer yo, hein? C'est difficile. Difficile. Et pas oublier, yo perdu deux mandats. Vous comprenez? Là, yo vin la mettre là. Yo va quitter moun vin diriger yo là même. Il pas quitter mon venir dominer là même on en un moment non c'est histoire pas soit venir là venir dominer ou venir diriger ou ah non Aris tout autant que Aris vivant c'est pas que va comme ça il y a lucidité il est vivant mais qu'on a ça pour nous veiller et ça m'a dit après très fort et si nèg va faire élection, bien dit. Si nèg va faire élection, élection ça, il va y avoir des problèmes sérieux là-dedans. Yeah. Mm-hmm. Si nèg a fait élection, élection ça, li pral gen problème sérieux là-dedans. Pral gen de gros batailles intérêt politique. Pral gen de gros batailles intérêt économique. Et pral gen de violence en élection ça. Ça m'a dit à mal expliquer le. Et je dis à n'a dit quel que soit le TKPT avec Vini nouveau premier ministre qui l'a Alex Didier Fizeme. On seul bag. Peuple ici a tenu pigou bagay nan men nou. Qui c'est sécurité. Peuple ici a tenu pigou bagay nan men nou. Qui c'est sécurité. Et c'est vrai. Nan tapetéyan. C'est des politiciens avérés. C'est des madriens politiques, qui ont des chapelles politiques, qui ont des apportés dans les relations politiques.
Mais peuple haïtien tout seul bagaille. Quel que soit chapelle politique, quel que soit relation politique que de conseiller président qu'il a, il doit mettre